La cuisine piémontaise authentique a su maintenir inchangés les goûts du passé. Les anciennes recettes liées aux produits locaux. Un exemple typique de cette continuité est représenté par les agnolotti farcis de viande qui étaient préparés à la maison la veille des fêtes avec la participation de la famille entière. Il suffit d'observer les ingrédients, viande, légumes et herbes aromatiques, pour se faire une idée de leur authenticité. Ils sont excellents en bouillon, mais ils sont meilleurs servis avec du jus de viande ou du beurre et de la sauge. Préparons la pâte avec de la farine, des œufs, du sel et 2 cuillères d'huile d'olive extra vierge. Travaillez la pâte soigneusement et longtemps, jusqu'au moment où elle devient compacte et tendre. Couvrez-la avec un chiffon humide pendant 30 minutes. En attendant, nous allons préparer la farce. Rissolez la chair de veau et la chair de porc coupée en morceaux pendant 10 minutes. Ajoutez les arômes et une pincée de sel. Une fois terminée la cuisson, ajoutons les côtes de bête précédemment cuites à l'eau et essorées. Hachez le tout, ajoutez une poignée de fromage râpé et un œuf entier et mélangez bien les ingrédients. Reprenez la pâte, travaillez de nouveau et étalez-la en abaisse très fine. Disposez sur l'abaisse la farce en petite taille coudistant. Superposez la deuxième abaisse et confectionnez des agnolotti carrés d'environ 2 cm de côté en utilisant un couteau ou la rouelle coupe-pâte. Cuire les agnolotti avec beaucoup d'eau pendant 8 à 9 minutes. Égouttez-les bien et enfin, assaisonnez-les au beurre fondu parfumé à la sauge. Ils doivent être servis très chauds avec du fromage râpé. Un plaisir! Cette riche entrée s'accompagne bien d'un vin Colline Novaresi DOC Nebbiolo dont la composition intègre le cépage Nebbiolo, Pana, pour au moins 85% au bouquet intense et caractéristique.